Il fait beau à Dijon et on espère vivre avec vous une belle après-midi de football sur FFF TV. Dijon, Le Havre, c'est parti! Elle a été obligée d'intervenir là sur ce centre, les Alifus. Je ne sais pas si elle était gênée par le soleil. Attention à ce ballon. Zoé la frappe et ça finit au fond des filets. Ça, c'est le premier but. Zoé Steven Hart, il me semble, qui est venu tromper à la surprise générale Lisa Litfus. Ça n'allait pas vite et ça a suffi pour tromper la portière du DFCO. Une frappe contrée par Morgan Martins. Ballon qui a été bien donné là pour Borghella qui va pouvoir se présenter face à Lisa Litfus. Deuxième tentative, la frappe en force, elle s'est couchée. La gardienne dijonnaise, bien fait. Et ce moment joigné, Le Havre mène déjà 1-0. But inscrit à la 7e minute. Le centre, elle est sortie, la portière du Havre, elle a relâché le ballon et le but est validé. Meriam Tershoun qui égalise pour le DFCO, la réponse des Dijonnaises. 1-0. C'est tiré, c'est dans les airs, l'intervention de Lisa Litfus, c'est propre. Elle avait fait de bonnes choses en début de saison, l'attaquante chinoise du DFCO. On va suivre cette occasion, nouvelle occasion pour Le Havre. Borghella qui était toute seule face à Lisa Litfus, c'est pas terminé. Nouvelle tentative, on est encore dans la surface de réparation. Elles arrivent encore à se faufiler, les joueuses du Havre. Pas de changement a priori dans cette deuxième période. La frappe de Wu est là-bas. Alors, quelle action, quelle occasion! Belle occasion, je pense que Baniaia va y aller toute seule. Mais c'est parti, le coup franc, il a enroulé, elle s'est couchée, elle s'est détendue, Lisa Litfus. Sur cette tentative à vrai, c'est pas terminé en deux temps, le centre il est capté cette fois. Declercq maintenant plein axe, elle a peut-être le temps de frapper. Léa Declercq, voilà qui prend sa chance. Ça devrait être directement vers le but de Catherine Atalaslati, on va suivre ça. Léa Declercq qui prend de l'élan, elle s'était lancée, ça a failli finir au fond des filets. C'est joué court, avec Rose Lavaux qui a crocheté, le centre dans la surface, la tête de Goetz et la barre transversale qui repousse encore une occasion dijonnaise. Allez, Declercq pour ce coup franc, on va rentrer là dans les 20 dernières minutes du temps réglementaire. La tête de Roth. Ballon qui ira jusqu'à Diaz, bien fait ce relais avec Roth, Goetz, Océane Picard. Ouais, elle s'est manquée dans sa relance, la défenseuse du DFCO. Et c'est une balle de but, ça termine au fond des filets. C'est Chancel Efaefa qui permet au Havre de maintenant mener 2-1. Elle était rentrée en deuxième période. Sur sa première occasion, Chancel Efaefa, elle n'a pas laissé de chance à Lisa Litfus. Diaz, est-ce qu'elle va pouvoir centrer? Voilà qui est fait, le bout des gants, la portière du hack. Deuxième tentative pour Tershoun, mais c'est contré.